Hey tout le monde, c'est Shane Chir, j'espère que vous allez bien, moi personnellement je vais bien. De toute façon, on s'en fout que vous donniez votre avis ou non en commentaire. Aujourd'hui dans cette petite vidéo que je ne sais même pas le nom, vos pires anecdotes sur Animal Crossing numéro 2. Hey, j'ai vraiment cru que j'allais faire un droit. Ah bah. Pour cette vidéo, je me suis munie encore et toujours de cette magnifique tablette, voilà. Alors, je sais pas quoi dire à part on commence maintenant. J'aime bien le kabekou et vous. Avant de commencer, j'espère que vous aimez mon petit décor. Donc ici, on a un sapin de Noël. Non, il n'y a pas de logique, je sais pas pourquoi c'est là. Ensuite, on a ça, au cas où si vous savez pas qu'on habite la planète, Terre. Ensuite, j'ai Kiki, mais Kiki, il est super face à tout le monde. Et ce canard, je ne sais pas si je dois me justifier sur... Non. Bref, c'est pour Chi. Sunshine qui m'écrit, parce que j'ai toujours qui nous écrit, qui m'écrit. Oh, ça doit vous saouler. Tu es venu dans ma ville et t'as écrit Hey sur le panneau. En vrai, c'est pas une anecdote ouf vu que c'était hier en live. J'allais dans les villes et au panneau, je marquais Hey, coucou, ça va. Les gens sont en mode Oh my god, mais je suis personne, les gars. Rien ne se transforme en or. Non. Ensuite, Flovers ACNL. Alors en fait, avant sur ACNL, j'étais amie avec deux filles. Pas trois, mais deux. Et puis, je suis allée dans la ville d'une de mes amies et j'ai volé une rose. Alors, si tu voles une rose et en plus une rose. Or, genre une rose or. À l'époque des Kikou en 2013, c'était le Saint Graal. Moi, en fait, je savais même pas que ça existait, les roses or. J'ai dû apprendre l'existence en 2015. Je sais pas si je dois me justifier sur le fait que j'étais une grosse noob et j'étais vraiment très très nulle à ce jeu, mais c'est pas grave. Et elle en a fait tout un drame. Alors, j'imagine pas en 2013. Ah mon dieu, elle a volé une rose or. Non, c'est pas bien. Non. Logique. Je me tape des kiffs. Waouh. Résultat, bah du coup, elles me détestent toutes les deux. Mais en vrai, ça va, c'est pas grave, voler. Je l'avais déjà dit dans une. Bah, du coup, dans la vidéo, mes pires anecdotes, je crois. Mais vraiment, j'ai déjà volé, moi, en live. L'époque, c'était il y a du coup 2 ans et demi près. Ça va bientôt faire 3 ans. L'époque où j'étais une grosse kikou et je faisais des live distribution. Attention. Du coup, j'allais dans la ville. Et dans cette petite ville, et bah, j'étais en live. Mais vous voyez, j'avais une autre tablette. J'avais pas ça. Ça, c'est trop stylé. J'ai une tablette Samsung. J'ai rien contre les Samsung, mais... Et vu que le son, la qualité était pourrie, et ben j'ai fait semblant de faire tomber ma tablette, en mode « Oh mince, ma tablette est tombée !» Oh là là, attends, il faut que je la remette pendant ce temps. J'étais en train de voler sa couronne royale. Je remets correctement ma tablette, et la meuf, elle dit « Mais il manque une couronne !» Après, j'ai dit quand même en live « Bah, ça peut pas être moi, vu que j'étais en live, sinon tu aurais la preuve !» Ensuite, Miss Elina. Alors, Miss Elina, tu es clairement le type de personne que j'ai... Je sais que je le dis que intérieurement, je le dis pas extérieurement. Mais en gros, évitez de faire des pavés comme ça, enfin, comprenez. Moi, quand je lis après, déjà que lire en vidéo, ça me stresse. La meuf, elle fait des vidéos sur YouTube, mais ça la stresse. Logique. Anecdote horreur. Je me rappelle qu'avec mes cousins et mes cousines, on jouait tous ensemble à Animal Crossing, un soir, le réveillon de Noël. Eh, mais du coup, c'était il y a plusieurs années, mais jour pour jour. Parce que là, on est 24 et il est 14h17. On a dormi tous ensemble chez ma cousine dans un grand matelas. J'imagine pas la taille du matelas. Donc j'ai fait un rêve sur Animal Crossing où j'étais assise sur le canapé de chez ma cousine et où je jouais sur ma DS. Ensuite, j'ai détourné le regard de ma DS. Je ne sais pas pourquoi. Et un de mes cousins qui était assis à côté de moi me dit « Zombie, zombie !» en pointant ma DS du doigt. Alors j'ai regardé ma DS et j'ai vu un homme qui ressemblait à mon père pendu à l'arbre de la place avec Marie et Runa installés sur la place comme si c'était le nouvel an. Mais franchement c'est génial. Suite à ça, je me suis réveillée en pleurs et réclamant mon papa. Ça a réveillé mes cousins cousines qui dormaient, gentils comme ils sont. Ils m'ont proposé de jouer au jeu. J'ai refusé, je n'ai pas touché mon jeu pendant un mois environ. En plus de ça, je jouais, je redessinais ma ville sachant que c'était moi qui avais la meilleure ville. J'avais tous les magasins de la rue commerçante. Voilà ma petite anecdote. J'espère passer dans ta vidéo. Si tu passes dans ma vidéo. Que dire? En vrai, c'est triste, mais c'est quand même drôle de se dire. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire un rêve. T'es dans le jeu d'Animal Crossing, mais c'est un mélange avec la vraie vie. Du coup, ah, t'es pas bien du tout. N'est pas bien, tu es au bout de ta vie. Ce n'est pas cool. Non. Donc, d'un côté, franchement, je trouve que c'est une anecdote assez croustillante, assez palpitante pour mes papilles. J'aime. Un jour, Runard m'a arnaqué. J'étais très triste, dis donc. Eh ben dis donc, Runard, c'est pas comme si tu avais une chance sur 5 de... 4 de te faire arnaquer. Non, non, non. Emma TMT... Ah, je sais pas. Arrêtez de mettre les consonnes de votre nom de famille. Tout le monde fait ça. Les gens m'ont détesté. C'était il y a environ 2 ans, je suis allée dans la ville d'une amie, je ne connaissais que sur ACNL et sans faire exprès, j'ai écrasé une fleur et elle m'a accusée de voleuse. Alors que je n'avais rien fait. Voilà, rien d'extraordinaire, mais ça m'a marqué. Mais en vrai, c'est ce genre d'anecdote
t'as envie que tout le monde le sache alors que c'est pas ouf. Donc je me dois de la mettre dans la vidéo parce que c'est ultra triste quand même qu'on t'accuse de vol alors que ce n'est pas toi. Non. Mais moi, je sais pas, quand tu voles et que c'est pas toi, ma seule excuse que je peux te dire, j'ai la preuve, j'étais en live. C'est nul. Anecdote de Lala Chouchou. Anecdote. Il faut savoir que j'étais une grosse kikou. Et oui, les amis. La meuf se croit trop dans la vidéo. Et oui, les amis, c'était moi la kikou à l'époque. Comme tout le monde. Non. Bref, j'étais en train de jouer à CNL. Comment t'as écrit à CNL? Ah, t'as pas respecté. Tranquille, j'étais sur l'île et j'ai fait croire à une fille que l'on pouvait cloner sur l'île. Et pour cela, elle devait me passer plein de choses. Objets, habits, etc. Cette fille y croit, j'étais toute contente, mais ça a malheureusement bug. Aujourd'hui, je suis contente que ça ait bug. Encore désolé à cette personne, je t'aime fort. Sinon, continue tes vidéos comme ça, je t'adore. Mais je sais, j'avais perdu mon collier. Regardez mon collier comme il est beau. Bah, en vrai, déjà merci. Mais pourquoi maintenant tu voudrais que ça ait bug? Pourquoi tu voudrais que ça aurait bugué aujourd'hui? Aurais-tu des regrets et des remords? Je ne pense pas. Je pense. Mais ça fait bizarre, depuis une demi-heure, je fixe un bout de truc noir là dans mon téléphone. Et même que quand je fais ça, et bah ça zoome de ouf. Maintenant, nous avons une petite question. Enfin, non, c'est même pas une question. Un pavé écrit de il. Si tu t'appelles pas il, tu t'appelleras il. Moi, une fois, j'étais avec un pote et il y a un autre pote de mon pote. Alors, déjà, là, il y a trois fois le mot pote, je suis perdue. Il y a un pote du pote de mon pote qui est revenu avec son pote, qui est venu et moi, je le connaissais pas. Après, j'ai fait visiter la ville à le pote de mon pote. Je rentre, il rentre dans ma maison, il repart et moi, je me dis, c'est une erreur. Wow. Mais non, il a enlevé mes fleurs, etc. J'ai plus fait venir de personnes que je connaissais pas en irréel, in real life. Et pour moi, IRL, genre par exemple, l'IRL de ta chaîne, c'est quelque chose de virtuel, donc c'est pas logique. Mais en fait, c'est les initiales de in real life. Alors, ton anecdote, si je devais la noter sur 10, je te mettrais 7. Par contre, niveau racontage, c'était pas très bien expliqué. Hein. Anecdote de... Mais arrêtez d'avoir des pseudonymes trop compliqués. Première fois que je joue... On est 2 mois après la sortie du jeu. Je précise que je n'ai que 8, 7... Oh, punaise. Je n'ai que 7, 8 ans. Clairement, mon cas. Les gars, vous allez pas me dire que ça fait depuis le début que j'ai ça et que je suis pas au courant? On va l'appeler Bobert. Bobert, il est parti comme vos notes. J'ai fait toutes les manips pour créer ma ville et il se trouva que la mairie était de l'autre côté de la rivière, ce qui m'embêtait. Car je ne savais pas comment la traverser puisque j'étais jeune et innocente. C'est vrai, quand on est jeune et innocent, on ne peut pas avoir des yeux pour regarder peut-être 5 cm en dessous de ta console pour avoir l'autre partie de ta console, la partie tactile où il y avait des ponts. Bon, du coup, je pense que tu n'en avais qu'un seul parce que tu savais pas, même pas ce que c'était un projet public. Tu savais même pas ce que c'était Marie. Les gars, vous entendez pas quelque chose? Eh ben voilà, les gros. Que des malades. Donc j'ai raté pendant longtemps et j'ai éteint ma 3DS parce que je n'avais pas vu ce fichu pont. Quelle débilité. Je comprends. Voilà ma petite anecdote, j'espère que vous êtes bien foutus de moi. Non. Et deuxième anecdote, j'avais commandé 12 paquets de cartes Amiibo ACNL. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est une carte ACNL qui vivent dans l'époque préhistorique. Oh, je fais de la contorsion là. C'est ça. Genre ici on a Magogo. Alors j'en étais. Paquet de cartes Amiibo ACNL série 4. Je sais même pas ce que c'est. Sur Cdiscount, alors je n'ai jamais acheté sur internet et je sais pas, j'ai peur moi en fait. Parce que à chaque fois que tu achètes un truc sur internet, c'est pas ce que tu veux. Donc au bout d'un moment, seulement 10 centimes. Et j'ai reçu Luzon Spinner, la déprime sur ce. Bonne journée à tous et croyez en vos rêves. Bah tes rêves là, ils sont défoncés, ils sont au plus bas. Là c'est ton taux de rêverie. Il est passé là. Glow down. Bah 12 Luzon Spinner, sachant que Luzon Spinner... Après si c'était la bonne époque et tout, en mode... C'était la mode en 2016. Mais si tu as commandé en 2016, tu les revends 25€. Là, ça vaut 5€. Et encore, ça vaut 1€. Chez Fira, j'ai bugué sur son nom de famille. Moi, une fois, j'ai supprimé ma ville pour la refaire. Mais après, j'ai pas touché à ma nouvelle ville car ACNL m'avait lassé. Je me suis reconnectée 1 à 2 mois, approximativement. Et c'était pas ma nouvelle ville, mais l'ancienne. Voilà, bisous. Alors, ça m'est déjà arrivé. En fait, je me répète, je l'ai déjà dit. Mais en gros, j'ai 3 cartouches. Enfin, maintenant, j'en ai plus que 2. Bref, vous verrez la semaine prochaine. Il s'est passé un petit truc. En gros, j'avais 3 cartouches. Il y avait une cartouche à laquelle je ne jouais jamais. C'était la ville de Aqualia. J'y jouais jamais, jamais, jamais. Du coup, je me suis dit, bah, si tu ne joues pas à cette ville et tout, autant la supprimer. C'était une ville où il n'y avait rien à l'intérieur. Genre, j'avais même pas commencé. Et du coup, bah, je la supprime. Je crée une nouvelle ville, elle s'appelait Atori. Donc, bah en fait, elle aussi, cette ville m'avait complètement saoulée.
je rejoue à mes deux autres villes, parce que vu que je jouais sur trois villes en même temps, connexion notre ville, sur notre ville, sur notre ville, et là la cartouche, l'autre, bah je l'avais pas, enfin j'y jouais pas. Et là je reviens limite 4 mois après et je remets la cartouche dedans, c'était mon ancienne ville que j'avais supprimée. Tous mes souhaits se sont exaucés? Non. Du coup bah c'est comme ça que j'ai continué cette nouvelle ville qui est en fait mon ancienne que j'ai refaite, tu vois. Et du coup bah je l'ai continuée, je l'ai développée et je l'avais finie. Pour la détruire. Voilà, merci cordialement, c'était tout pour moi. Est-ce que ça filme déjà? Les gars, je vous fais un appel de phare, vous me dites si vous me voyez. Coucou! Oh, venez, on fait un bowling. Oh! Oh! Oh bah, strike! Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner sur ce chat. Tout le monde, c'était Charline Chiris. Bisous, bisous. Oh, je suis allée ultra vite.